Chut, le blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, comment? Bien sûr, suppose je te vois. Il y a des chiens, le blanc, ça, c'est un problème. Oui, l'hypocrisie est un défaut que certaines personnes savent pratiquer avec jouissance et sans se priver. Le blanc, s'il y a quelqu'un ici qui est hypocrite, c'est toi. Tu as compris? Carrément. Le blanc, tu es arrivé de... Je comprends presque que tu n'as pas de femme. Même pas de petit go. Et ça, tu nous fais croire que ta chérie en France, mon œil. Belle récitation, mademoiselle Rose. Je suis rassuré d'une chose. Vous avez une sécheresse intellectuelle. Mais pour votre gouverne, sachez que la décence peut éloigner deux corps, mais pas deux cœurs. Espèce de ratatouille. Le blanc, toi-même ratatouille. Tu as compris? Moi, je pars. Sous ratatouille, même si tu veux. Tu m'entends? Et puis, d'ailleurs, même si tu me vois là, faut me dépasser. Regardez-le. Ratatouille, ratatouille. Hé, hey, jeune homme. Oh. Comment? Oui, c'est à toi que je m'adresse. Tu te joues au clown avec moi? Je dis, qu'est-ce que tu as à siffloter dans une rue où tout le monde connaît ses droits et devoirs? Qu'est-ce que j'ai foutu au souffle quoi? Je dis, qu'est-ce que tu as à siffloter dans une avenue où chaque citoyen connaît ses droits et devoirs? Tiens, c'est que tu dis, moi je comprends rien dedans. Hein. Si tu veux, allons au ghetto, je vais te donner deux tafs. Ah bon? Tiens. C'est à moi que tu parles comme ça? Tiens. Tu me connais? Tiens. Hein? Tu as perdu ta langue? Hein? Oh! Tout ce que tu viens de dire même là, moi je t'ai dit ce que moi je connais. Tchao Rastafari. Wallo! 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 J'ai gorgé quelqu'un, c'est ça, ça m'a raconté ici. Regarde comme ça. Bonjour. Mais il y a quoi et puis tu es en train de parler seul comme ça? Il faut bien me répondre. Il dit bonjour. Bon, ok, c'est bon. En fait, c'est récemment, mais je vais me poser avec toi, quoi. Voilà, il a décidé maintenant à la cabine ici. Il faut que moi et toi, on s'attend. Il a remarqué que si on s'attend, tout peut marcher, quoi. Donc, moi, mais aujourd'hui, là, je me suis déplacé pour venir te demander pardon. Tout ce qui a été fait, tous les discours qu'on a fait où il n'y a pas raison. En tout cas, aujourd'hui, moi, je me mets à genoux pour me pardonner. Faut me pardonner. Et puis on va avancer dans le travail quoi. Voilà. Yo, oui. Lève-toi. C'est sûr que tu n'as rien pris. Non, rien. Rien. Toi, Joe le rapide, toi tu viens moi me demander pardon. Je dis moi blé déjà ça. Ça veut quoi? Que tout ce que tu m'as fait. Ça fait quoi? Seuls les imbéciles ne changent pas. Tu es sûr? Non. C'est moi. Est-ce que tu veux demander pardon? C'est mon boss. Moi, quand on fait discuter là, hein, moi ça me plaît même pas. Ça me plaît pas. Voilà, pour te montrer même que je suis prêt là même là. Voilà ce qu'il y a eu pour toi. Quoi? Tu vois dans mon quartier là, il y a une peau qui est venue là. Une vraie mousseau. Elle a tout zotant. Ah, tu es malade. Tu crois que tu vas me parler à faire des femmes et puis moi j'ai te pardonné un coup comme ça. Non. C'est ça que tu veux faire quoi? Moi mais c'est vrai que tu n'allais pas me croire facilement. Enfin, que là, ça quoi ça a envoyé les preuves là. Rien ici. Non, on fait rien au hasard. Voilà ça. Non, faut regarder Ablo Jassa. C'est quoi qui a écrit? Et ton patron Ablo Jassa. C'est Gola qui a écrit, c'est en causant par texto. Et puis moi il répondit, il est à la cabine. Elle dit, souvent je passe à la cabine, quand je lui fais les clins d'œil. Il fait comme il ne me voit pas, tu vois. Tu l'as pas, ouais, t'es petite là. C'est moi, voilà ça. Au nom de quoi? Voilà, au nom de Dieu, voilà ça. Et c'est ça, il dit, moi il dit, hein, ah. Toi petit là. Souvent, tu vois, les gens nous mettent au nom de Dieu, c'est les bâtards. Au nom de Dieu. Toi, il n'y a pas une enfant ici qui est plus intelligent que toi. Ah, il a dit quoi? C'est sûr qu'elle a dit ça. Elle a dit ça. Tu as son numéro quand même. Il y a son numéro, même hier nuit. Il est parti à la maison, elle dit, hey, ton patron là, il est là, il dit, ouais, elle dit aujourd'hui, elle va venir. C'est moi, elle te parle. Et ça fait. Non, il n'y a rien. Donc a... c'est fini maintenant. Mais tu es sûr qu'elle a dit ça? Non, non, je jure, elle a dit ça. Je vais te donner. Mais c'est fini, non? Non, c'est voilà, bien. Dieu merci, c'était mon souhait. Bonjour. Nadie, viens, il m'a au marché pour venir. Nadie. Ah, il y a quoi? C'est forcé ou bien? Il y a quoi? Il dit qu'il faut au marché pour venir. Oui, il faut va. Si tu m'en vais, il faut m'en vais. Il y a quoi? Où est le problème là? Il y a quoi? Tu m'en vais, il faut m'en vais. Il y a quoi?
Oh, c'est tout ce que vous faites. Vous mangez mon riz seulement et vous dort. J'ai oublié de répondre. Ami! Ami! Hé, hey, tenez! Tenez, n'est pas là! Oui, papa, il arrive. C'est quoi? Tu as mes poignets ou bien? Hein? Là, tu ne vois pas clair. Y a tes poignets comment? Tu ne vois pas les enfants qui sont en train d'arriver avec caillou, bois là-bas. Tu es malade ou bien? Attends quoi? Oui, papa. Oui. Je vais te voir. Moi. Tu veux, mais ce n'est pas moi qui est là. Mais papa, donne-moi la place d'abord et m'asseoir. Bon. Bon. Depuis quand toi, tu demandes place pour s'asseoir d'abord? Non, papa, c'est-à-dire, c'est quoi? Donc, il y a rien de grave, quoi. Je voulais que tu... Je n'entends pas, hein. Moi, je n'entends pas. Je veux que tu n'as qu'à trouver un job pour moi, quoi. Et je veux, quoi. Job, c'est quoi? Papa, tu connais pas le travail, toi aussi. Hé, hey, quand tu parles avec moi, là, tu baises de ton voix. Tu es malade ou bien? Quand tu me parles, là, tu baises de ton voix. Hé, papa, on ne dit pas baise, on dit baisse la voix. Y a quoi? Tiens. Hé, hey, c'est quelle manière, ça, là? Peut-être un bon dossier. Quand tu parles de ça avec ton papa? Non, hein, papa. T'es au connerie, là, papa, fais ça 6 mois. Faut que tu passes ici. Oui, ils arrivent. Oh! Oui. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils arrivent. Qui? Les microbes. Quel est le microbe? Les enfants, là, les microbes, là. Hey, c'est la merde. Qui t'a envoyé là-bas? Il est partout au marché. Il y a là, j'ai dit, nos gars m'attendent là-bas, puis ils sont venus ici. Je viens. Je viens tout de suite. Hein? Oui. C'est lui, son groupe. Qui sait pas? Et puis toi, tu parles mal balayé avec moi maintenant. Hey, papa. Il n'a pas parlé mal balayé avec toi. Tu n'as pas parlé mal balayé avec moi, comme... Non. Toi, hey, qui t'es ici? Je t'ai appelé. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Il est partout au marché. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Pimpin. Mais lui, c'est pas, viens ici là. Hé, hé, hé. Et vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi comment? Et vous n'avez pas dit de m'attendre là-bas? Vous n'avez rien fait quoi ici? Tiens, non, pas t'attendre. Hé, quand tu pas, tu m'écoutes. Je te dis, hein, ici là, c'est sur mon vieux. Hein. Tous ceux qui sont de la cour là, ce sont mes parents. Faut pas que vous allez toucher quelqu'un, sinon vous allez me sentir. Y a quoi? C'est moi qui dis, comme nos parents ne nous ont pas mis à l'école là, on a qu'à créer un mouvement, on a commencé à faire des trucs pour là-bas. C'est là ça, on a commencé à mourmourer les gens. Ouais, et quand on mourmoule les gens, on est content. On n'est pas content. Voilà, c'est pas nos budgets de mourmoule les gens qu'on est dedans. Mais à quoi? Les gars de Yopougon là, vous avez vu, ils ont tué beaucoup dedans. Ils ont tué Pekosé, ils ont tué Mbades, tout ça fou, là. C'est pas fou. Ils ont tué Mestreke, ils ont attrapé plus de 400 éléments. Ils sont en prison actuellement. Donc, les saisissez vous. Donc, tu as dit quoi maintenant? On fait comment? On arrête de mourmoule ou bien? On se calme. Oh, oh. Calmez-vous. Vous là, arrêtez vos barbaries là. Arrêtez tout ça! Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es le fils de vieux vraiment. Oui. Je ne peux pas te voir dans un dilemme et fermer ma clapette. Je viens de parler. Oui. J'ai dit, ouais. Ne donne pas de faux espoirs à quelqu'un. Oui. La vérité blesse, mais le mensonge détruit. C'est ma troupe qui est là. C'est moi qui gère ça. C'est moi qui peux la maîtriser. C'est moi qui fais ça. Ah, l'Afrique, ouais. L'africanité, ouais. Dans sa défectuosité. Les gars, entrez chez vous, on s'attendra après. Bon, les voisins, on doit à pisse. Viens t'asseoir. T'as pas parlé de Marbalé à tout de suite là. Est-ce que tu as parlé là? Papa, il n'a pas dit ça. Tu n'as pas dit ça? Est-ce que tu as parlé ici là? Toi, tu n'as pas parlé Marbalé ici tout de suite? Non, papa, il a dit que tu baisses la voix. C'est ça que j'ai dit là. Pourquoi tu parles ça avec moi? Pardon, papa. Quel pardon, papa? Tu veux dire que c'est moi qui ai parlé? Non, papa. C'est moi ici, Malbali. Non, il n'y en a pas dit ça. Bonjour, tonton. Bon, pardon. Hé, hey, Adja, oui, ça va? Oui, ça va. Et les affaires? Oui, ça va. La commerçante, ça va un peu? Tonton, concernant ton cadeau dont tu m'avais parlé là, je n'ai pas pu acheter. Ah. Mais tiens, ça c'est pour ton cadeau. Hey. Ça là? Oui, c'est pour ton cadeau, mon ami. Hé, hey, Adja. Alors, celle-là, toi tu es vraiment bon, la commerçante. Hé, Cous, tu ne sais pas quoi, et moi? Tu sais comment? Cousteau, si tu changes pas d'air, ah, tu aimes trop ça. Tiens. Oh, comment? Ça, c'est pour toi, comment ça? C'est tout ce que... cool, merci là-bas. Hé, hey, cousi. Hé, hey, pim. Et puis d'ailleurs, même, ton fiancé là, il va te marier quand? Hé, hey, papa. Quel pim. Hé, hé. Ça là, donne-moi ça. Hé, hey, papa. Donne-moi la tête là, ici. Ton cartier. Il y a quoi? Tu appelles mes femmes là, il y a quoi?
Tu es pressé. Attends, je viens vers toi là-bas. Oui, Ladji. Moi, je t'ai appelé. Il a tenu mon nom dessus. C'est moi qui t'ai appelé, mon nom. Mais pourquoi tu cries mon nom comme ça? Il dit, je vais te parler, toi et ton mari. Tu veux nous parler? Je vais vous parler, toi et ta femme. De quoi? Aïe. Ah, Dieu merci, le blanc même, tu es là, ça tombe bien. Qu'est-ce qui tombe bien? Le blanc. Oui. Faut dire à vieux Bramon, sa femme et son fils petit serpent, le microbe là. Depuis hier, je ne vois pas mon oncle taper. Je l'appelle, ça passe pas. Merci. Si tu as parlé ça encore là, je te découpe, tu vas voir. Comme tu ne crois pas encore, tu vas voir. C'est ce que j'avais à dire. Hé, hey, hé, hey, y'a quoi? C'est pas que c'est ta petite maman. Quoi? Hé, hey, pardon. C'est pas que c'est ton sein. Bon, c'est bon même. Moi-même, je sors. Non, il va pas. Hein? Rose est petite maman de qui? Ladji. Ladji, c'est à toi et parle. Ladji. Toi, si tu as arrêté, tu dis rien. Tu as arrêté, on dirait courant et coupé. Faut parler. Le silence est comme un ami. Il ne faut pas le chercher parce qu'on en a besoin. Il faut l'utiliser. Quand c'est nécessaire. Tu n'as pas les gens sympas, toi, là, t'es fou. Bon, bon, là. Ah oui, ça, c'est l'histoire de la queue qui refuse les règles de la tête.